Dans cette capsule vidéo, nous aborderons différentes stratégies de lecture pour rendre vos lectures plus efficaces. Ce qu'il faut savoir pour que la lecture devienne efficace. Ce qui distingue une personne qui arrive à apprendre en lisant d'une personne qui retient peu de ses lectures, ce sont les stratégies qu'elle déploie avant, pendant et après la lecture. La lecture est un processus actif. On ne peut être passif. Tout au long de la lecture, il est essentiel d'appliquer des stratégies de lecture. La lecture demande donc une concentration et un engagement cognitif constant. Il est faux d'affirmer que pour être un bon lecteur, il faut lire rapidement. Au contraire, pour être compris, un texte doit être lu plus d'une fois. Il est souvent nécessaire de relire plusieurs passages et de prendre des notes en lisant. La lecture demande donc des efforts. Pour appliquer des stratégies de lecture, il faut connaître ces stratégies de lecture. Les stratégies de lecture sont des moyens pour rendre la lecture efficiente sur le plan de l'apprentissage, c'est-à-dire des moyens pour cibler l'information pertinente, comprendre ce que l'on lit et surtout le retenir. Pour lire de façon efficiente, il faut être actif en lisant, c'est-à-dire il faut déployer des stratégies qui permettent de répondre aux questions que l'on se pose, de repérer les informations importantes, de donner un sens à ces informations et de lier ces informations aux connaissances que l'on possède déjà. Les stratégies de lecture déployées par un lecteur lui permettent donc d'apprendre de façon autonome. Les stratégies de lecture présentées dans cette capsule vidéo sont l'identification des objectifs de lecture, le questionnement en cours de lecture, la reformulation de passages dans ses propres mots, les relations aux connaissances antérieures, finalement, l'imagerie mentale et la représentation visuelle. L'identification des objectifs de lecture. Pourquoi se fixer des objectifs de lecture? Pour concentrer ses efforts sur une cible d'apprentissage précise. Lire sans objectif, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors que lorsqu'on se fixe des objectifs, il est beaucoup plus facile d'identifier les informations pertinentes et de lier ces informations entre elles pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. On se fixe des objectifs également pour utiliser des stratégies appropriées en fonction de la cible à atteindre. Par exemple, lorsqu'on doit lire pour repérer des éléments d'information, on ne lira pas de la même façon que lorsqu'il s'agit de comprendre un phénomène en particulier. Finalement, on se fixe des objectifs pour évaluer le degré d'atteinte de cette cible, c'est-à-dire pour évaluer l'efficacité de la lecture qu'on vient de faire. Un objectif doit être pertinent, en lien avec ce qu'on a à apprendre dans un cours, par exemple, précis, donc il ne doit pas être trop vague pour qu'on puisse bien repérer les informations pertinentes. Il doit être également accessible et réalisable en fonction de notre niveau de connaissance d'un domaine ou en lien avec l'outil de lecture qu'on utilise. On applique cette stratégie de lecture avant chacune des lectures à réaliser. En effet, avant chaque lecture, il importe de pouvoir identifier ce pourquoi on lit exactement. Comment fait-on pour identifier des objectifs de lecture? Si on lit un texte, c'est qu'on a une intention. Il faut se demander pourquoi on lit ce texte en particulier et prendre le temps d'identifier l'objectif général de la lecture, mais aussi les sous-objectifs qui peuvent s'articuler autour de cet objectif général. Par exemple, si on lit un texte sur la marmotte, c'est peut-être pour s'informer de façon générale sur la marmotte, mais on peut vouloir aussi identifier son régime alimentaire, son aire de distribution, ou le moment de la reproduction. Prendre le temps d'observer l'organisation du texte, les titres, les sous-titres, les figures, peut aussi permettre d'identifier ce à quoi répond le texte, ce qui permet l'identification d'objectifs qui pourront être atteints. Si le texte est prescrit par une enseignante, on peut se demander pourquoi
elle l'a rendue obligatoire et quels sont les objectifs du cours qui sont en lien avec cette lecture. Dans un manuel de cours, les objectifs sont généralement présentés au début de chaque chapitre ou section. La deuxième stratégie vue dans cette capsule est le questionnement en cours de lecture. Pourquoi se questionner en cours de lecture? Parce que le questionnement fait partie intégrante du processus de réflexion qui permet l'apprentissage. Il amène à s'engager dans la lecture et aide à établir les liens entre les informations et entre ces informations et nos connaissances antérieures, c'est-à-dire les connaissances que nous possédons déjà. On applique cette stratégie avant la lecture pour se questionner sur ce à quoi répondra le texte à lire. Pendant la lecture, surtout, pour se questionner sur le texte, sur sa compréhension du texte. Et après, pour se questionner afin de vérifier et approfondir ses connaissances. Comment appliquer le questionnement en cours de lecture? D'abord, on effectue un survol du texte, de sa structure, pour identifier des questions auxquelles on pourra répondre en cours de lecture, en lien avec les objectifs qu'on s'est fixés, bien sûr. Pendant la lecture, on se questionne sur l'organisation des informations afin de pouvoir les lier adéquatement. On questionne le texte pour faire des liens, ce qu'on nomme le questionnement interactif, et vérifier sa compréhension. Par exemple, lorsqu'on lit sur la distribution de la marmotte, on peut se demander si cela signifie qu'il y a des marmottes aux États-Unis. Il est essentiel de procéder à une relecture pour répondre à ses propres questions. À cet effet, il est utile de recourir à un code lorsqu'on lit. Par exemple, on peut inscrire « OK » près des informations qui sont bien comprises. On peut ajouter des points d'interrogation pour les questions qu'on se pose, auquel cas il faudra relire le texte pour y répondre, et ainsi de suite. Après la lecture, on se pose des questions pour vérifier sa compréhension et le degré d'atteinte des objectifs de lecture établis. On peut se servir des questions à la fin de sections ou de chapitres de manuel à cet effet. La troisième stratégie présentée est la reformulation de passages dans ses propres mots. Pourquoi reformuler dans ses propres mots? Eh bien, la reformulation dans ses propres mots, dans sa tête, à haute voix ou par écrit, permet de donner un sens à ce qu'on a lu. Ce processus est essentiel pour intégrer les informations dans son propre réseau de connaissances, c'est-à-dire pour encoder et sauvegarder les informations dans son bagage personnel de connaissances. On procède à la reformulation après chaque passage important ou chaque paragraphe qu'on a lu. La reformulation consiste à redire dans d'autres mots, ses propres mots, des mots plus simples souvent, un passage qu'on a lu. Il n'est pas favorable de tenter de mémoriser les mots-clés ou même de répéter des phrases toutes faites. On intègre plus facilement les informations lorsqu'elles sont énoncées dans nos propres mots. Commencez par « si je comprends bien » ou « ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on lit que les marmottes mangent des graminées, on peut reformuler en disant « ça veut dire que les marmottes mangent des céréales ». La quatrième stratégie de lecture présentée concerne les relations aux connaissances antérieures. Lier les nouvelles informations apprises par la lecture à ses connaissances antérieures ou à des connaissances de la vie courante permet de se créer un réseau de connaissances cohérent. Avant de lire un texte, on peut identifier ou établir ce qu'on connaît déjà sur le sujet du texte qu'on s'apprête à lire. Pendant la lecture, on peut lier les nouvelles informations aux connaissances que l'on a déjà. Parfois, on peut même confronter les informations aux connaissances qu'on avait préalablement. Et même, parfois, corriger et améliorer nos connaissances antérieures à partir des nouvelles informations qu'on apprend en lisant. Après la lecture, on peut organiser les nouvelles et les anciennes connaissances sous forme de tableaux ou de schémas, par exemple. Comment lier anciennes et nouvelles connaissances? Avant de lire un texte sur un sujet précis,
On établit ce qu'on connaît déjà du sujet dans la marge, sur une feuille ou dans un cahier de notes, par exemple. Au fur et à mesure de la lecture, on peut valider, corriger ou compléter ces informations préalablement identifiées. Si les informations sont complètement nouvelles, on peut tenter de faire des rapprochements avec quelque chose que l'on connaît. Après la lecture, on peut résumer l'ensemble des connaissances, anciennes et nouvelles, sous forme de tableau ou de schéma, de manière à rendre le tout cohérent. La cinquième et dernière stratégie de lecture abordée dans cette capsule est l'imagerie mentale et les représentations visuelles. Ces stratégies augmentent la qualité du traitement des informations faites lors de la lecture. Or, c'est ce traitement qui permet l'apprentissage. Ces stratégies permettent de donner un sens et un cadre aux informations et de les intégrer en créant un tout cohérent. Ainsi, ces stratégies amènent à repérer les incohérences dans ce qu'on comprend de la lecture et permettent le contrôle de sa compréhension. Ces stratégies améliorent également la mémorisation et la récupération des informations, ce qui facilite le processus d'écriture par la suite. On applique ces stratégies après chaque passage important ou chaque paragraphe du texte qu'on a à lire. Pour appliquer ces stratégies, il s'agit de tenter de voir ce qui est lu dans sa tête, c'est-à-dire de situer et d'imaginer les faits ou les phénomènes décrits dans leur environnement. Lorsque nous lisons un roman, par exemple, nous voyons l'action dans notre tête. Lorsqu'on s'informe sur un sujet donné, par exemple sur l'effet de serre, on peut se représenter dans sa tête ou sur une feuille de papier les phénomènes en cause. Pour ce faire, on utilise les informations, les indices du texte ainsi que ses connaissances antérieures. On peut utiliser des exemples ou des analogies, c'est-à-dire des ressemblances avec quelque chose qu'on connaît, pour se représenter les nouvelles informations ou les phénomènes étudiés. Idéalement, à la fin de la lecture, on tentera de représenter ce qui est lu sous la forme d'un schéma complet. Dans l'extrait qui suit, on vous fait une démonstration où l'on applique les 5 stratégies de lecture présentées dans cette capsule. Aujourd'hui, je dois lire un texte sur le reflux gastro-œsophagien. Mon objectif, c'est de comprendre ce qu'est le reflux gastro-œsophagien, puis comme l'enseignante l'a précisé, c'est aussi de comprendre ce qui se passe dans l'estomac. Donc, si je me fie au titre, reflux gastro-œsophagien, je sais que gastro, ça veut dire estomac. Œsophagien, c'est l'œsophage, sûrement. Puis reflux, souvent, ça veut dire revenir en arrière. Donc, j'imagine que le reflux gastro-œsophagien, c'est quand le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage, mais on va confirmer en lisant le texte. Donc, l'ébrûlement d'estomac sont une douleur dans le haut de l'estomac, plus précisément au niveau de l'œsophage. La cause la plus fréquente est le reflux gastro-œsophagien. Il se produit lorsqu'une partie du contenu de l'estomac passe dans l'œsophage alors que le sphincter cardiaque s'ouvre de façon anormale. J'avais raison. Le RGO, donc reflux gastro-œsophagien, peut être normal s'il se produit rarement, mais il devient pathologique. Pathologique, ça veut dire pas normal. Donc, il devient pathologique s'il entraîne des douleurs régulièrement. Les sécrétions très acides de l'estomac combinées à l'absence de mucus protecteur sur l'épithélium de l'œsophage contribuent à la destruction des cellules épithéliales et à la sensation de brûlure. On va recommencer pour être sûr de bien comprendre. Donc, les brûlements d'estomac sont une douleur, donc douleur dans le haut de l'estomac, plus précisément au niveau de l'œsophage. La cause la plus fréquente est le reflux gastro-œsophagien. Donc, autrement dit, la douleur, c'est dû à un brûlement dans le haut de l'estomac.
Puis cette douleur-là, ce brûlement-là, c'est dû au reflux, donc du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Il se produit lorsqu'une partie du contenu de l'estomac passe dans l'œsophage lorsque le sphincter cardia. Donc le sphincter cardia, c'est quoi? Donc, ah oui, c'est le sphincter en haut de l'estomac qui s'ouvre de façon anormale, parce que d'habitude, effectivement, il est fermé. Donc le RGO peut être normal s'il se produit rarement, mais il devient pathologique si les douleurs sont régulières. Donc les sécrétions très acides, donc il y a des sécrétions très acides dans l'estomac, si on le sait, combinées à l'absence de mucus sur l'épithélium de l'œsophage. Donc, si je comprends bien, habituellement, il y a de mucus qui protège l'épithélium de l'œsophage, mais là, comme il n'y a pas de mucus, donc ça contribue à la destruction des cellules épithéliales. Puis c'est quand ces cellules-là sont détruites que bon, il y a la sensation de brûlure, la douleur. Donc, si je résume maintenant pour voir si tout ça se tient, donc la douleur dans le haut de l'estomac, ou plus précisément au niveau de l'œsophage. Donc, on a dit que bon, il y a l'œsophage, il y a le sphincter cardia, puis il y a l'estomac. Donc, lorsque le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage, mais c'est ce qui provoque la douleur. Donc, quand le cardia ferme pas bien. Donc, le cardia, qui est un sphincter. Donc, ne ferme pas bien. C'est pour ça que le contenu remonte vers l'œsophage. Puis, ici, ben, le contenu est très acide dans l'estomac. Puis, ici, ben, il n'y a pas de mucus protecteur pour protéger l'épithélium. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cas du reflux gastro-œsophagien. Donc ça résume le premier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Douleur dans le haut de l'estomac, ça va. Le contenu de l'estomac passe par le sphincter cardiaque qui ferme pas bien. Les sécrétions acides, l'absence de mucus, ça détruit les cellules épithéliales. Donc l'épithélium, cellules épithéliales, il est comme détruit. Puis ça, c'est ce qui provoque la douleur. D'accord. Donc là, voilà le résumé de mon premier paragraphe. Lisons la suite. L'acidité est essentielle dans l'estomac pour la bonne digestion des protéines. En effet, après avoir mangé, la présence de protéines dans l'estomac entraîne la libération de l'hormone gastrine produite par les cellules spécialisées de l'estomac. La gastrine circule dans le sang et atteint d'autres cellules de l'estomac, provoquant la libération de sucs gastriques, dont le HCL. Ainsi, la digestion chimique des protéines peut commencer. Oh, là, c'est beaucoup d'informations. Recommençons. L'acidité est essentielle dans l'estomac, okay, pour la bonne gestion des protéines. Donc, le HCL, donc l'acidité, qui est le HCL, c'est ça le HCL? Ouais, c'est ce qui est écrit en bas. Donc, l'acidité, qui est dû au HCL, donc ça permet la bonne digestion des protéines. Ça sert à la digestion des protéines. Donc, si c'est acide dans l'estomac, c'est parce que c'est pour permettre la digestion des protéines. Mais quand l'acide remonte dans l'œsophage, ben là, ça fait mal. Donc, les protéines, ça, c'est dans la viande. Ça, c'est dans. Il y en a dans le lait aussi. Protéines. Donc, après avoir mangé, la présence de protéines dans l'estomac entraîne la libération
de l'hormone gastrine, produite par les cellules de l'estomac, qui libère la gastrine, entraîne donc la libération de l'hormone gastrine qui est produite par les cellules de l'estomac, donc produite par l'estomac. Donc, c'est l'estomac qui produit la gastrine, puis l'estomac produit la gastrine quand il y a présence de protéines dans l'estomac. Fait qu'on va écrire ça là, avant de l'oublier. Donc, il y a des protéines dans l'estomac. Ça déclenche donc la libération de gastrine par l'estomac. Puis ça, la gastrine, c'est une hormone. C'est une hormone. La protéine dans l'estomac déclenche la libération de gastrine par l'estomac. OK. Provoquant la libération de sucre gastrique. Donc, la gastrine circule dans le sang. OK. Donc, la gastrine circule dans le sang et atteint d'autres cellules de l'estomac. Donc, autres cellules estomac. Estomac. Puis, qu'est-ce qui arrive? Donc, la gastrine circule dans le sang, atteint d'autres cellules de l'estomac, provoquant la libération des sucs gastriques, donc des sucs de l'estomac. Les sucs, c'est des sécrétions, dont le HCl, ainsi la gestion chimique des protéines commence. Peut commencer parce qu'on a dit que le HCl, c'était pour la digestion des protéines. Donc, l'autre cellule libère. Donc, libération. Provoque la libération. Libération. Sucre gastrique. Puis, dont HCl, puis la digestion des protéines. Mais qu'est-ce qui contient les protéines? Ça veut dire que quand on mange des protéines, ben on stimule la sécrétion d'acide, puis là, puis ça devient acide dans l'estomac, puis ça sert à digérer les protéines. OK, mais qu'est-ce qui contient des protéines? Continue de lire le texte. Pour éviter d'enclencher ce mécanisme, il est recommandé de fractionner les repas et manger moins d'aliments riches en protéines. De plus, il est recommandé d'éviter les boissons gazeuses qui favorisent l'ouverture des sphincters cardiaques. Donc, l'ouverture ici là, du cardia ne ferme pas. Puis ça, entre autres, ça peut peut être provoquée par boisson gazeuse. Ça doit être à cause des bulles, hein? Du gaz, boisson gazeuse qu'il y a là-dedans. C'est pour ça qu'on fait des roues quand on boit de la boisson gazeuse. Ça passe, ça remonte. Donc, favorise l'ouverture du sphincter cardiaque. Il est également possible de prendre des antiacides pour soulager les symptômes. Antiacides, ça veut dire contre-acide. Donc, ça doit être basique. Le contraire d'acide, c'est basique. Donc, acidité, c'est du HCl, puis ça, c'est contre-carré, tiens, contre, donc c'est contre-carré, je dirais pas ça comme ça, mais neutralisé, c'est ça qu'on dit en chimie, neutralisé par
Antiacide. Est-ce que j'ai répondu à toutes mes questions? Je sais c'est quoi le reflux gastro-œsophagien. Je sais qu'est-ce qui se passe dans l'estomac quand on mange des protéines. On sécrète des sucres qui fait qu'on va digérer les protéines. Je sais quand on mange des protéines, ça déclenche ça. Je sais que la HCL sert à la digestion des protéines. Mais je ne sais pas plus c'est quoi qui contient des protéines parce que le texte ne le dit pas. J'imagine que c'est dans la viande, dans les œufs, dans le lait, mais ça va être à vérifier. Je vais me l'écrire, donc, la question. Je pourrais la poser au professeur. Donc, qu'est-ce qui contient des protéines? Donc, ça, je ne le sais pas. Puis, mais le reste, je l'ai tout compris. Fait que si c'est OK... C'est OK. Puis si c'est OK, mais il me reste une question. Qu'est-ce qui contient des protéines? Parce que on dit qu'il faut manger moins d'aliments riches en protéines pour ne pas déclencher le processus ici. Mais là, si je ne sais pas c'est quoi qui contient des protéines, je ne pourrais pas éviter, je pourrais pas recommander à un patient d'éviter de manger ça. Il faut que je sache qu'est-ce qui contient des protéines. Mais sinon, ça va.